Quel muscle fait sauter plus haut? Est-ce que c'est la cuisse? Est-ce que, bah, je sais pas, peut-être le coude? Ou est-ce que c'est le menton? Est-ce que c'est le mollet? Bon, tu as vu que là, c'était déjà n'importe quoi. Et ça se trouve, tu utilises et tu as idée de certains muscles qui ne sont pas nécessaires. Et peut-être que tu en loupes certains. C'est pour ça que cette vidéo est trop importante pour toi. Pour que tu puisses vraiment rien louper et apprendre tout ce qui est nécessaire pour sauter plus haut. Comme tu le sais, je pense que tu peux aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Je suis de base spécialiste vraiment dans le dunk où j'ai aidé, mais t'imagines même pas combien de personnes. Donc voilà, parce qu'on a des programmes, on a des formations, que ça soit sans matériel, avec matériel. Donc bref, je vais pas te parler de tout ça, mais tu pourras aller checker si tu veux. Et on a une académie Delta Lloyd où là ça regroupe tous les basketteurs de France. Il y a même d'autres pays d'ailleurs où bah là tout le monde est regroupé pour s'aider, s'entraider quand il y a des problématiques et même pour discuter. Bah tout ça est dans la description. Sans plus attendre, attends, ne triche pas. Pour toi, le muscle le plus important, c'est lequel? Selon toi, est-ce que c'est... Dis-moi, je vais pas t'induire directement, mets-moi en commentaire directement le muscle pour toi qui est le plus important. Et n'oublie pas d'ailleurs de partager à un pote cette vidéo parce que ça fait vivre la chaîne YouTube. Il y a plein de monde qui sont déjà venus me voir, d'accord, qui sont même déjà dans l'académie, qui ont cette problématique et à mon avis la même problématique que toi, qui est tout simplement: est-ce que je travaille les bons muscles pour améliorer ma détente verticale? Pourquoi mes entraînements ciblant les quadriceps ne semble pas améliorer ma capacité de saut? Comment savoir si je manque de force dans certains muscles pour sauter plus haut? J'ai pris en masse musculaire mais je ne constate pas d'amélioration dans mes sauts. Pourquoi? Quels muscles néglige-t-on souvent lorsqu'on cherche à augmenter sa détente verticale et comment les travailler efficacement? La plupart avaient également ces problématiques-là et même plein d'autres. Mais ils les ont résolus et puis je vais te parler et ça va t'aider pour répondre à cette question-là. Quel muscle fait sauter plus haut au basket? Et je pense que tu risques d'être surpris. Alors c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de vidéo. En premier, il y a les muscles autour de la cheville. Tu vas voir qu'on va monter crescendo et on va pas en louper un. On a les muscles autour de la cheville qui va aussi également avec le mollet. Ils permettent la poussée finale et l'extension du pied pour décoller du sol. Ça, c'est très important. Donc ton impulsion qui va prendre dès le début, si déjà là il y a une faiblesse, t'as beau avoir tout l'ensemble derrière, bah là ça va craquer au bout d'un moment, hein. Ça va pas passer, la cheville, enfin, elle va partir, oh, je peux plus m'entraîner, c'est galère. Enfin, t'as compris, tu vois, tu marches sur un pied, ta cheville, clac, elle part à l'autre bout, elle est à Pékin. Non, c'est pas possible, donc vraiment, dis-toi que ce muscle-là, il faut pas le négliger. Donc si tu veux te faire un programme où tu cherches des exercices un peu par-ci, par-là, gratuitement, c'est parti, tu peux y aller, tu peux aller regarder ça sur internet, comment muscler tout ça, c'est important, donc tu peux te le noter. En deux, on a le muscle devant le tibia. Alors, je pourrais te sortir des mots techniques, mais tu sais très bien que c'est pas du tout mon fort. Alors, c'est pour ça que, bon, c'est devant le tibia, tu vas comprendre forcément. Ce muscle-là, il est important parce que quand tu vas arriver, il y a la cheville, mais il va falloir décélérer un petit peu. Tu vas pas, sinon tu vas finir dans les cages de hanches souvent qui sont en face. Donc, il va falloir s'arrêter, il va falloir un muscle qui prenne ce choc-là. Et c'est ce muscle devant le tibia qui joue un rôle important. Et en même temps, il va stabiliser la cheville et contrôle également la position du pied lors du décollage, mais aussi de l'atterrissage. Donc, celui-là, ne loupe surtout pas, ok? Il se bosse souvent avec des petits élastiques où tu mets sur ton bout de pied et tu relèves comme ça, tu vas bien le bosser aussi. Et c'est important de pas le laisser de côté. En 3, on a les ischio-jambiers. Et je peux te garantir que si tu les bosses pas, ça va te faire bizarre. Et si tu les bosses, waouh, la différence. C'est un muscle qu'on oublie souvent, on n'y pense pas. Alors peut-être que toi, tu as la chance et que tu t'es dit, si, il faut que je le bosse. Mais celui-là, il va vraiment t'aider. Parce que si tu prends trop de quadriceps et derrière, il y a un manque au niveau de tes ischio, au bout d'un moment, ok, croisé, entorse du genou, enfin, rien ne va. D'accord? Donc ça, il faut que tu fasses vraiment gaffe. Parce que ça, c'est des risques que tu peux avoir, mais en termes de gains dans ta détente, mais ça va être énorme. Alors, je dis pas, c'est pareil, c'est un juste milieu, il faut pas avoir trop disque-jambier non plus. Il va t'aider lorsque tu vas fléchir et aussi également à t'aider à stabiliser lors de la phase de pulsion. Quand tu vas venir pousser, ça va t'aider aussi d'avoir une certaine stabilisation. Donc, voilà, vraiment, il va être très utile de pas le louper. Ensuite, celui que tu aimes, celui que tu connais, le quadriceps. Bon, quadriceps, donc là, c'est celui qui va pousser, qui va
va puncher. Petite astuce, fais gaffe de le travailler correctement ce muscle là parce que voilà, si tu le construis pour qu'il soit gros, il va pas être bien. Si tu le construis pour qu'il soit tout faible, ça va être compliqué aussi. Il faut qu'il soit vraiment travaillé et pour l'explosivité. Alors il y en a d'autres, on est d'accord qu'on plus de facilité que d'autres, mais si tu le travailles correctement, tu peux emmener déjà tes petits fibres rapides dans tes muscles pour que ça soit ça gouache. Toi tu décolles, tu vois, faut limite qu'on sente les petites gouttes de sang qui sortent de ta jambe parce que t'as tellement punché. Je sais pas si ça se dit ça par contre, mais voilà. Bon, tu m'as compris, en tout cas, ça c'est le quadriceps, mais tout le monde le connaît. C'est un des principaux moteurs pour le saut, et d'ailleurs tout le monde le connaît et il y en a à cause de ça, ça fait beaucoup de blessures et il y en a à cause de ça, ne saute pas. On reviendra sur ça. Il y a le fessier. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton fessier? Le fessier, oh! Le fessier, il est trop important également. Ça va avec, c'est une chaîne. Si tu te rends compte, on monte petit à petit. T'inquiète pas. Il y en a certains d'ailleurs en commentaire. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis ou peut-être l'ischio-jambier, je sais pas. On verra dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, le fessier, faut pas le louper. C'est un puissant muscle qui va étendre la hanche pour maximiser la force de pousser. Il faut savoir que lorsque tu vas pousser, si tu as des moyens fessiers qui sont faibles, et bah allez, c'est parti. Ça va te venir te pencher plus d'un côté que de l'autre, moins puissant. Tu vas pousser ta jambe, mais c'est ton articulation qui va prendre parce que du coup, tes fessiers, c'est compliqué. D'accord? Là, c'est compliqué si tu fais mal ça. Donc, viens bosser tes fessiers. Ils sont très importants pour le dunk. Il y en a très peu qui en parlent. Ok, moi, je te le dis. Donc, ne loupe pas. Si tu as l'intention de travailler ton dunk, ne loupe pas ça. Sinon, tu vas aller vraiment droit dans le mur au bout d'un moment lorsque tu vas demander à ton corps des choses très importantes. On a l'adducteur intérieur, alors l'adducteur entre parenthèses, les muscles à l'intérieur de la cuisse qui va venir t'aider à avoir, en fait, tu vois, ton genou, il est censé être bien aligné avec tes hanches, et ça va aider à aligner. Mais c'est comme tout, si tu muscles trop, avoir un problème. Donc, il faut avoir un petit peu partout et que tout se suive en même temps. Donc, l'intérieur va venir aussi t'aider à ça. Et si tout est bien axé, bien dans l'axe, ta technique de saut va d'autant plus être améliorée, va coïncider avec tout. Hein, je sais pas si c'est trop le mot coïncider, mais en tout cas, tout va bien être aligné et avec la bonne répartition de puissance à chaque muscle, parce que s'il y en a un, là il y a un manque, elle va être tordue un peu ta jambe, donc il y a un autre muscle qui va compenser qui devrait pas, et voilà, donc tu vas pas comprendre, tu vas dire c'est la technique de saut, tu vas venir me voir, tu vas dire ah je comprends pas machin, donc voilà, tout ça je connais, donc je préfère le partager directement avec toi. Le psoas iliaque. Eh ouais, mais ça, je pense que tu le vois pas souvent pour dunker. T'as des choses, tu les fais bêtement, mais tu ne comprends pas vraiment lequel muscle est important. Là, le psoas, il est important, vraiment. Tu vas le voir juste avant les abdos, parce qu'il va falloir les déplier, ton corps aussi également. Donc, pour le déplier, il y a un autre muscle qui joue aussi, parce qu'il y a tes muscles du bas, d'accord, qui remontent. Et puis, la puissance est répartie dans chaque endroit de ton corps. Et après, il y a une harmonie de tous tes muscles qui fait que tu vas sauter. Et là, le psoas iliaque, il joue un grand rôle aussi également. D'accord, il faut le bosser. Mais attention, tu le bosses, mais il va falloir l'étirer et faire l'étirement de l'âme. Parce que si tu ne l'étires pas, ça va te recroqueviller un petit peu plus vers l'avant. Et du coup, ça va t'emmener des douleurs après au niveau des lombaires. Et tu vas avoir un déséquilibre musculaire. Et tu vas croire que ta hanche aussi derrière. Tu vas dire, ah ben j'ai 2 cm de décalage, faut que je mette des semelles. Ben voilà, c'est tout simplement parce que ta hanche est plus contractée d'un côté et autre. Et ça vient aussi de ce psoas iliaque qu'il faut aller venir étirer. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça intéressants que je te remettrai aussi dans d'autres vidéos, mais vraiment là, le psoas iliaque, muscle-moi et tire-le bien à côté aussi également, d'ailleurs comme tous les autres groupes musculaires quand tu vas venir les bosser. Ensuite on a le tronc, c'est parti, va en forêt, vois un tronc d'arbre, là tu mets des coups de genoux. Non, bon c'est nul ta blague Jimmy, là c'est nul ta blague Delta, je le sais. Bon non, là on va parler d'un tronc déjà, c'est au niveau des abdos, ok, c'est au niveau de là, les abdos sont importants parce que quand tu vas te retrouver en l'air, il va falloir le claquer ton ballon, il va falloir, je sais pas si t'es au hand ou peut-être au volet, va falloir sauter et avoir un certain équilibre pour gouacher, emmener, avoir toute cette transmission de force énergétique. Donc il faut vraiment pas que tu oublies ça au niveau de tes abdos. Et puis en plus de ça, donc ça stabilise le corps et ça te permet du coup de maintenir l'équilibre au sol. Et d'ailleurs l'abdos, hein, des bons abdos, ça va te permettre aussi de t'élever aussi assez haut avec d'autres muscles, ok. Et tu verras que ça a toute son importance. Au tronc toujours, les lombaires. Les lombaires, déjà ça va jouer le rôle, t'as tes abdos et derrière les lombaires, il faut qu'il y ait un équilibre. Ça, c'est comme les quadriceps et les ischio-jambiers. C'est comme si t'avais un portable et t'avais pas de batterie. Tu vois, derrière, moi, tu me diras, bon, la relation, rien à voir, mais je pense que tu as compris. Devant, derrière, mollet, mollet et puis mollet et molette sont sur un bateau. Non, bien sûr, on parle du mollet et puis ensuite, la bandelette tibiale, enfin, le muscle qui est devant
ton tibia. Voilà. Donc devant, derrière, t'as compris, on va venir rééquilibrer à chaque fois. Donc là, donc il va t'aider aussi à travailler le mouvement de ton corps lorsque tu vas sauter également. Et si t'as une faiblesse là, je peux te garantir que si t'as une faiblesse, ça va moins t'étirer aussi correctement. Du coup, tu vas plus penser d'un côté, déséquilibre, machin, mauvaise technique de saut et tout ce qu'il y entraîne. Donc vraiment, fais ça. Parce que des fois, t'as beau faire tout ce que tu veux, hein, technique de saut, on t'a dit ça, tu t'appliques. Mais si t'es tendu d'un côté comme ça et qu'il faut te mettre de l'autre côté, t'as beau te dire de te mettre de l'autre côté, mais comme ton corps est vachement tendu, il va revenir comme ça. Il suffit juste de le détendre et là, ta technique de saut va revenir. C'est une image et tu vois, moi, je m'explique comme ça, mais c'est pour que tu comprennes. Mais moi, je me serais compris. Je pense que j'aurais été devant là comme ça, je me serais compris. Ça, je comprends pas pourquoi il y en a pas beaucoup qui le disent, mais le haut du corps, dans quel cas on le bosse? Dans quel cas ce haut du corps on le bosse? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors autant te dire, garde à toi, petit truc comme ça que j'ai remarqué en jouant à haut niveau, c'est que souvent je pensais qu'il fallait prendre du haut pour être costaud. En fait, rien à voir, tu muscles tes fessiers, quand tu vas mettre un impact et que tu vas prendre contact, c'est ton fessier qui va jouer là et après c'est ton impact de l'épaule. Confonds pas tout, il suffit pas d'être costaud comme ça non plus, parce que sinon tu vas pourrir tout ton saut, tu vas être trop lourd en haut et il y aura un mauvais équilibre avec le bas. Le haut, il doit être travaillé lorsque tu fais du basket, ok, que tu vas rester dans le basket en explosif. Donc ton muscle, tu vas pas venir en faire une boule grosse ni une boule trop fine, mais ça va être un juste milieu, ok. Donc tu vas pas être carré de ouf, à part les intérieurs ou autres certains, mais la plupart c'est des muscles vraiment dynamiques, donc ils sont étirés mais en même temps courts, c'est un entre les deux, ok. Mais fais attention, vraiment, ne confonds pas. Tu peux faire le haut du corps, il faut faire le haut du corps, parce que quand tu vas ramener le ballon dans le cercle, tu vas entendre l'arceau bang comme ça, ou quand tu vas taper le ballon avec un autre sport, j'en sais rien. Mais il faut que ça soit ça dynamique. Donc si tu as fait les bras, les triceps et tout ça pendant une séance off des jambes, et je peux te garantir, tu prends là, et oh là là, quel kiff! Quel kiff. Oh, moi, à l'époque... non, mais quel kiff, voilà. Avant, je m'en rappelle, j'allais à la salle de sport avec un collègue, ok. On allait à la salle de sport, puis on était chaud. C'est l'été, machin, on veut y aller. Donc, on s'était dit, vas-y, on va faire les exercices de mon programme. On le fait, Allez, on suit, alors, on se fait une semaine, deux semaines, tout va bien. Puis là, je vois il commence un petit peu à lâcher. Alors, déjà, il s'essouffle un peu. Puis, en fait, ce qu'il m'avait pas dit et que je savais, c'est qu'il avait vu plusieurs trucs sur Insta, sur TikTok. Puis, il y en avait où il avait accroché. Donc, il a voulu rajouter ça à la base d'exercices qu'il y avait déjà. Du coup, on le fait, je dis ok, je comprends, on se prend pas la tête, tu vois, il fait ses trucs, moi je fais mes trucs de mon côté, et puis on suit le truc et comme ça. Et il commence à me dire quoi? Punaise, là je suis chaud, je comprends pas, t'as vu ce petit exercice là, franchement ça m'amène vraiment du pep, je le sens directement quand je suis à la salle, tac, je dis ah ouais, c'est cool, tout ça c'est bien, peut-être faudra que tu me montres mieux ce que tu as vu, comme ça je vais pouvoir regarder et tout, ça peut être un truc sympa, dire ouais. Puis au fil du temps, sans même qu'il me montre quelque chose, en fait, quand on a été testé des choses, on a été faire du basket, j'ai pu dehors, puis même à la salle en même temps. Et puis en fait, il me dit ah putain, c'est bizarre, je ressens une petite douleur là, machin, c'est tu sais, vers le genou, vers la patellaire là, la rotule juste en dessous, il ressent un petit truc. Je dis ah ouais, attends, on va voir, c'est bizarre. Je dis ah non, j'espère que t'as pas eu le même truc que moi, tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a travaillé des muscles parce qu'il avait vu, mais il avait oublié qu'il fallait aussi aller travailler de l'autre côté pour tout simplement avoir un équilibre musculaire et tout avoir une harmonie. Tu vas pas travailler, enfin bref, ça voilà. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé? Inflammation du tendon et une galère pour faire partie. Il fallait désamorcer, donc enlever une tension qui avait à un autre endroit pour ensuite remuscler l'endroit plus faible et puis revenir rééquilibrer ça. Mais ça, si tu le sais pas, mais c'est des années où t'es comme un à avoir mal, hein, et puis jamais vraiment aller au-dessus de tes capacités. Donc ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est quand tu travailles le saut, quel muscle il faut faire? S'il faut pas faire tous les muscles, il faut les faire correctement. Si tu sais que tu travailles le mollet, tu sais que tu vas travailler devant. Si tu sais que tu travailles le quadriceps, tu sais qu'il va falloir travailler l'ischio. Si tu sais que tu travailles les moyens fessiers, ok, va falloir aussi travailler le psoas iliaque. Si tu sais que tu vas travailler les lombaires, il va falloir travailler les abdos. Si tu sais que tu travailles le haut du corps, et au niveau des pecs, tu sais qu'il va falloir travailler le dos devant, derrière. Ça va être plus simple et il y a plus de résultats en faisant ça. On pourrait aller encore plus loin. Mais déjà, si tu fais ça, je te garantis que c'est la bonne chose. Alors dis-moi en commentaire si c'est le muscle-là pensé. Et si tu as retrouvé dans ton commentaire un muscle que j'ai dit, alors jackpot, c'est que tu es fait pour voir toutes les prochaines vidéos. Alors abonne-toi parce que je vais te dire encore des pépites comme ça qu'il ne faut pas que tu loupes. Vraiment. Et si jamais tu en as marre de traîner, j'ai un guide gratuit dans la description pour
pour t'aider à dunker. Et j'ai aussi des programmes sans matériel et avec matériel. Pour le sans matériel, je peux te garantir, et même le avec matériel, que c'est une pépite. Il y en a tellement qui ont progressé grâce avec ça. Donc t'as un accompagnement, je regarde un petit peu tout ce que tu fais. Tu as des vidéos, tu as le PDF, tu as tout qui est adapté pour toi. Donc vraiment, c'est une masterclass. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se rejoint pour, j'espère que la prochaine, et que tu seras présent, que tu dormiras pas et que tu seras aussi motivé que moi. Voilà.